Ouais, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, qui veut dire paix. Shalom, shalom. Shalom, shalom à vous. Nous sommes à cette date du 15 novembre 2016. C'est une journée déclarée, une journée internationale de paix dans le monde. Donc shalom, shalom, shalom. Shalom, que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Que cette paix de Dieu s'établisse maintenant même dans ton foyer. Que cette paix de Dieu s'établisse dans tes affaires. Que cette paix de Dieu repose sur toi. Donc shalom, shalom à toi, shalom. Shalom, parce que aujourd'hui est la journée internationale de paix. Que la paix de Dieu soit dans ton foyer, dans ton cœur. Au travers de cette paix, reçois la guérison. Au travers de cette paix, reçois la restauration de ton âme. Au travers de cette paix, que les difficultés entre toi et ton mari, et ces difficultés disparaissent maintenant. Donc shalom, parce qu'aujourd'hui est une journée de paix. Et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et que Jésus-Christ, qui est le prince de paix, vous restaure maintenant. Recevez la grâce de Dieu. J'en profite pour prier, pour souhaiter la paix et prompt rétablissement à ceux qui sont malades et la guérison de tous ceux qui sont couchés sur les lits des hôpitaux maintenant. Que Dieu se souvienne de tous les malades dans le monde entier et spécialement tous ceux qui ont le problème de cancer. Que le Seigneur les guérisse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que dans les CHU, dans le monde entier, dans les grands hôpitaux dans le monde entier, que la main de Jésus-Christ vous visite et que les malades soient guéris. Aujourd'hui est une journée dite internationale de paix. Que la paix de Dieu demeure sur vous. Recevez la grâce de Dieu. Et que s'il y avait des programmations contre ta vie pour perturber cette paix-là, en tant que prophète de l'Éternel, je détruis cette manigance de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois de la paix et à partir de toi et tout ton entourage, toute ta famille, recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la paix de Dieu sur toi. Reçois. Nous sommes aujourd'hui 15. Effectivement, aujourd'hui 15, la date du mardi 15. En route maintenant là. Voilà, je suis en route pour la salle. Je pars faire un programme. Un programme de réception. Hier, il y a eu du monde. Au lieu de 14h, j'ai fini à 17h. On a eu du monde par la grâce de Dieu. Je pars encore parce qu'il y a 2 jours dans la semaine, lundi au mardi, les programmes de délivrance, d'écoute et de délivrance, afin de pouvoir aider la diaspora à s'en sortir. Voilà, donc je pars comme ça en salle. Mais en même temps, je fais une annonce capitale, une annonce de pointe. C'est que demain, je serai à New York. Demain, je serai dans l'état de New York, afin de pouvoir aider des familles. Je ne viendrai pas faire des programmes dans les salles. Non, je pars pour des familles. Pour les différentes familles à New York, parce que nous sommes en train de préparer New York pour l'année prochaine. Donc ceux qui veulent déjà être visités par des familles, par le prophète Crasso, rentrez en contact avec ma cellule de communication depuis Baltimore. Voilà, depuis Baltimore par la grâce de Dieu. Voilà, donc je reprends l'annonce. Voilà, de lundi au mardi, le prophète Crasso reçoit. Donc aujourd'hui, je vais boucler la réception. Et demain mercredi, par la grâce de Dieu, demain mercredi, je serai, n'est-ce pas, à New York, afin de pouvoir aider les différentes familles, les délivrants des familles dans l'état de New York. Et ce vendredi week-end, là, par la grâce de Dieu, nous serons, n'est-ce pas, à Atlanta. Voilà, Atlanta, par la grâce de Dieu, vendredi, samedi et dimanche, nous ferons le retour sur, n'est-ce pas, Baltimore. Et le week-end suivant prochain, nous serons à Miami, par la grâce de Dieu, pour finaliser la délivrance des familles, des croisades, d'évangélisation. Et du 1er jusqu'au 4, un événement de taille que tous les États-Unis ne doivent pas louper. Du 1er au 4, il y aura une conférence de prière et de délivrance. À partir de 17h jusqu'à 21h, heure des États-Unis. Ça sera ici à Baltimore. C'est une question. Là, c'est 18h. C'est de 18h. À 21h, heure de Baltimore, une rencontre de délivrance, d'enseignement et de délivrance. Nous allons vous imposer les mains et nous allons prier pour vous, pour votre délivrance. Donc ne ratez pas l'événement de taille. C'est du 1er au 4.
au 4 décembre. Du 1er au 4 décembre. Le 1er, le 2, le 3, le 4. Nous aurons un programme, une conférence de prière. Nous allons imposer les mains aux malades. Et à cette rencontre, envoyez les malades. Envoyez tous ceux qui ont des difficultés. Envoyez-les. Pendant les 4 jours, Jésus-Christ aura, n'est-ce pas, quelque chose à faire pour eux. Donc il faut déjà commencer à réserver déjà des hôtels au niveau de Baltimore. Parce que du 1er, 2, 3 et 4, il y aura un événement de taille. C'est mon dernier programme, puis je retourne au pays pour revenir l'année prochaine. Nous aurons l'occasion d'aider les gens. Ceux qui n'ont pas été visités cette année dans les différents états, convoyés déjà sur Baltimore. Je reprends du 1er, 2, 3 et 4 à Baltimore, un événement de taille. Ça serait des séries de miracles, de guérison et de restauration. Du 1er, 2, 3 et 4, des séries, tous ceux qui seront là seront reçus. Tous ceux qui seront là, oui, on aura l'occasion de prier pour eux. Et Jésus-Christ leur accordera la délivrance. Donc ne ratez pas l'événement. C'est un événement de taille. Du 1er, 2, 3 et 4. Et 4 décembre, un programme de taille. Voilà, donc voici l'annonce de taille. Et demain, je serai à New York pour aider des familles. Je serai demain à New York, dans l'état de New York, pour les différentes familles. Appelez déjà, afin que nous puissions vous rendre visite dans les familles. Attaquez la sorcellerie dans vos maisons. Consacrez vos maisons. Priez pour vos enfants. Priez pour vos entreprises. Priez pour vos affaires. Ça, c'est pour la journée de demain à New York. Voilà. Et quand nous serons dans les différents états, c'est ce que nous allons faire. Entrez dans vos familles, dans vos maisons. Priez pour vos affaires, vos familles, vos différents états, vos différentes affaires. Voilà. Donc, voici l'annonce de taille. Voilà. Donc, je le préfère qu'Asso reçoit du lundi au mardi. Voilà. Du lundi au mardi, dans l'état de Maryland, précisément à Baltimore. Voilà. Ce week-end, si nous serons en Atlanta, par la grâce de Dieu, le vendredi, ce week-end-là, et le week-end suivant prochain à Miami, par la grâce de Dieu, le 1er jusqu'au 4 décembre, un événement de taille ici même à Baltimore. Un événement de taille. C'est comme si nous étions à Divo. Nous allons recevoir tout le monde un enseignement chaque jour. Et puis en même temps, des prières de guérison et des prières de délivrance. Vous ne devez pas rater. C'est au bout de la persévérance que le Seigneur vous accordera votre miracle et votre restauration. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir dans les différents programmes, en profitez parce que ça serait vraiment quelque chose de balèze. Du 1er, 2, 3, 4 décembre à Baltimore, un programme de taille. Appelez la suite de communication déjà au niveau de Baltimore pour qu'on vous donne déjà des adresses. Commencez déjà à réserver les différentes résidences, tout ça, des hôtels. Voilà, ici, ce qui me réjouit ici, il n'y a pas fait de tram, il n'y a pas de train. Ici, c'est voiture. Voilà, c'est une question de voiture. Voilà, donc que Dieu bénisse le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Depuis Baltimore, voilà, je pars comme ça à des séances de délivrance. Tout à l'heure, à des séances de délivrance. Donc, shalom, merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens en prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, ne ratez pas l'événement de taille. Je reprends encore parce que la répétition est un peu diabolique. Demain, je serai à New York, dans l'état de New York. Appelez ma soeur de communication pour vraiment s'occuper de vous. Et par la grâce de Dieu, du 1er, 2, 3, 4 décembre, un grand programme. Une conférence de miracles et de prières ici à Baltimore. Shalom à vous, que Dieu bénisse.